J'avais commencé, je pense que Marvin a appuyé avec sa queue. Donc nous allons recommencer les énergies. Allez, hop. Installez-vous bien. Mettez-vous à l'aise. Mais vraiment à l'aise, hein. Comme à la maison, hein, bien sûr. Vous venez boire le café, hein, je vous l'ai dit, hein. On est tous, hein. Et mettez aussi le barbecue. Vous voulez? Bon, je suis plus dans le sud, c'est dommage. Hein. Mais bon, en Bretagne, on peut toujours faire des barbecues. Hein. Allez, allez. Eh ouais, si ça bouge, c'est Marvin. Il a éteint la caméra parce qu'il a fait le tour et qu'il est monté, qu'il est arrivé dans la pièce encore avec la basket de mon fils. Voilà. Allez. Bon. Ça veut pas ce soir. Oh, ils veulent pas. On va aller la chercher ou ça tombe? Allez, s'il vous plaît, pour un petit boubou d'amour, allez. Une belle petite carte. Allez, on va aller la chercher alors. C'est pas grave, hein. Pablo Picasso. Ouh. Donc il me faut... Ah ben voilà. Regardez, j'ai mon tableau. On va faire Pablo Picasso. Alors c'est un séducteur pour son art, ça c'est sûr. Il avait beaucoup d'intention pour les affaires. Ah bah. Et beaucoup d'expérience. Il n'était pas âgé. Mais aimait vraiment. Bon, donc avec sa cigarette. Donc je vais faire comme si je fumais ma cigarette. Margot, je suis désolée. Donc allez, j'ai pas de cigarette, mais c'est pas grave, c'est dans ça. Je me mets dans. On va. On va défiler. Aïe. On va commencer. Je vais prendre celui-là. Donc, on va au moins... Allez, on se met dans... C'est dur pour tirer les cartes, je vous le dis. Faire la peinture, la cigarette au bec, je sais pas comment on fait. Moi, perso, j'arrive pas. Pablo Picasso était très fort, je vous le dis. Très, très fort. Cigarette, oui, peinture, oui. De l'autre côté, oui, on va commencer. Allez, on va tirer les cartes. Oui. Non. Allez. Allez, on commence. Ah oui, aujourd'hui j'ai décidé de récolter les fruits de mon travail. Eh ouais, il faut que je peigne. Ah, une belle déesse, eh oui. Ah, si je peux en plus me la mettre dans le lit, hein. Bon, je vais peut-être pas l'union, mais peut-être me la mettre dans le lit. Hein. Ça serait beau, mais bon. Eh ouais, ça doit rester encore caché. Et oui, personne doit savoir que tout est en train de se mettre en place, qu'en vérité j'ai craqué sur elle à chaque fois que je l'appelle. Même elle, elle s'en doute, c'est sûr, elle est pleine de fleurs, elle arrive toute belle, belle, toute maquillée. Mais bon, je veux bien faire une union avec elle, mais tout doit rester caché. Et ouais, j'ai pas envie de faire de sacrifices sur mes... Sur ma reconnaissance, sur mes tableaux, sur... Comprenez, je suis un artiste. Je dois continuer à pouvoir peindre des femmes nues. Et si les femmes, elles savent que je suis pris... Ben,
Elles vont plus m'aider. Elles vont me demander d'accomplir d'autres choses. Bon, elle aussi, d'accord, ma mission, c'est d'avoir une femme et des enfants oui, je dis pas le contraire, mais quand même. Oui, c'est vrai que j'ai envie de vivre d'un grand amour, mais oui, comme tout le monde. Mais bon, d'abord, ma créativité, ma fabrication, ma construction, il faut que je pense à moi, il faut que je sois dans l'action. C'est vraiment, vraiment, d'accord, j'ai envie de m'unir à elle. Mais ma créativité d'abord, il faut que je sois reconnue, que voilà quoi, vous comprenez. Il faut que je fasse tout ça avec bienveillance, avec amour. Mais sinon, tout le monde va me juger. Non, 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 non. Je ne veux pas qu'on me juge. Non, 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 non. Je veux garder mes vraies valeurs. Je suis un artiste avant tout. Je suis réputée pour être un dragueur. Oui, je sais, j'aime les femmes et tout, peindre des femmes nues. Mais oui, je sais, eh oui. Ah ben, il faudra bien qu'elle lâche prise. En tout cas, c'est moi qui vais peut-être lâcher la prise. Eh ouais, eh oui. Bon, c'est vrai que si je lâche prise, je vais rester dans la solitude. C'est peut-être pas une mauvaise chose de rester dans la solitude. Ça me permet de faire le point, de réfléchir et de voir ce qui va venir. Bon, ah, elle arrive avec une bonne nouvelle. Ouais, chouette. J'espère que ça va être bien. Ouais, elle va faire une formation. Ouais, donc bon, en attendant qu'elle fasse sa formation, elle va être occupée à faire autre chose, donc ben c'est bien, moi je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et je vais pouvoir travailler sur ma cré cré sur mes créations, bien sûr. Bon, ben, il faut bien sûr que je trouve une autre jeune fille. Bon, de temps en temps, je l'appellerai, bien sûr. Eh oui, c'est ma muse, bien sûr. Bon, de toute façon, hein, il fallait de toute façon que trouver une solution, hein, que je dépose mon fardeau, parce que là, ça pouvait plus aller. Ça fait des mois et des mois que je demande aux anges, à mes amis, à l'univers de m'aider, parce que ben justement, j'arrivais pas à avancer. Oh, mauvaise nouvelle. Finalement, sa formation est refusée. Je reste dans la stagnation. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, il est temps que je lui parle de tout ça, de lui dire que d'abord je dois dire non pour le moment. De toute façon, pour le moment, je suis au début de ma carrière, d'accord, c'est ma muse. Les rentrées d'argent commencent à peine à rentrer et je ne peux pas faire face aux dépenses inconsidérées, un mariage, vous comprenez. Oh là 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 là. Oh, elle est partie en courant, se réfugier auprès de la nature, auprès peut-être de ses parents. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ben ouais, je vais peut-être la peindre, accrocher à un arbre, peut-être que ça me rendra plus célèbre. Ah, allez, je vais aller la voir. Je vais demander pardon. Eh oui. Je vais essayer de dire, allez, s'il te plaît, on arrête les rancunes, s'il te plaît. Je te manipule pas, je t'aime en vérité. Tu comprends pas, je t'aime, mais le problème, il faut que je pense à ma nouvelle vie. Tant que ça rentre pas, ça peut pas aller. Oui, je sais que tu te sens dans l'injustice, je sais. C'est pas bien, je le sais. Oui, tu rentres dans l'âge. T'es en train de te transformer, tu prends des formes. Je dis pas le contraire. Mais oui, t'as qu'à faire attention à ton alimentation. Ah, les gâteaux, les sorties. Moi, je peux, je m'en fous, je ressemble à rien, c'est pas grave. Mais toi, il faut que tu restes ma muse. Avec de la patience. Bah, on va y arriver. Il faut rester seulement vraiment patient. Voilà. Et bien sûr, en attendant, bah, je vais utiliser toutes mes capacités. En tant que peintre, pour m'élever, même spirituellement, pour accéder à la fortune. Et oui. Bon, bien sûr, il faut que j'empêche les choses les choses qui m'empêchent d'avancer, ben, il faut que je les empêche. Et surtout, un truc, il faut que j'empêche la trahison, surtout d'elle.
Il faut que je la protège. Eh oui, faut vraiment que je la protège. Et que je me protège aussi, parce que si elle me trahit, ben oui. Aïe, bon, c'est vrai qu'elle est patiente avec moi. Il faut que je reconnaisse. Que je le reconnaisse. Il y a beaucoup de femmes qui la jalousent et tout. Et elle va souvent vers sa mère pour se consoler, pour se faire consoler. Ben oui, il y a beaucoup de vipères, de personnes fausses autour d'elle, c'est vrai. Même les amis nous envient et. Oh là 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 là. Et le problème, c'est que. Mais je vois qu'en ce moment, ça va pas. Elle est pas bien. Elle commence à se mettre à boire. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit non pour le moment, pour l'union. Et elle est sous l'emprise de l'alcool. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Et tout ça parce qu'en vérité, eh ben j'ai dit non pour le moment à l'union. Il faut que je me réconcilie avec elle. Il faut que qu'on se déconnecte. Tous les deux de ce monde pour le moment. Que j'ouvre mon cœur. Ah oui. Il faut plus qu'elle reste dans la confusion. Non, non, non. Il faut que j'ouvre mon cœur. Ah, c'est une bonne idée de cadeau, ça. De cadeau. Pardon. De tableau. Un cœur comme ça, avec une fermeture éclair, peut-être que ça sera la nouvelle tendance du jour. Peut-être, peut-être. Ah, il faut que j'arrête vraiment ces confusions autour d'elle. Mais oui, elle a droit à. Il faut que je retrouve l'équilibre, bien sûr. En plus, moi, je suis en train de perdre toutes mes envies de peindre, de ma créativité. Il faut que je brise mes gènes. Il faut que j'arrive. Il faut pas qu'on arrive jusqu'à la rupture. Ben non, 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 non. C'est ma muse. Imaginez. Oh là 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 là. Tout ça à cause de ces jalousies, de ces personnes néfastes. Et voilà. Je rentre. Voilà. Je vois. Je vois un billet de voyage. On se dispute. Eh oui. Oh là 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 là. On a beau discuter. Et il y a dispute et dispute. J'ai beau essayer de prier. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prier encore quelques temps, la laisser peut-être partir en voyage. Peut-être qu'elle va avoir un changement brutal dans sa tête. Et peut-être qu'elle va comprendre un peu que grâce à ça, si elle reste, on va vivre dans l'abondance. Mais le problème, il y a le retournement de situation. Elle n'a pas du tout envie. Non, elle n'a pas envie. Tout ça à cause de ses jalousies. Elle est partie en voyage. Elle a décidé de changer de vie. De trouver l'abondance autre part. Voilà, je l'ai perdu. Moi, Pablo Picasso. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite capsulette. Je pouvais faire la fin autrement, mais j'avais envie de. Pas toujours que du beau. Je voulais un peu dire, oh, Pablo, bougez un peu. T'as beau être un artiste. Aimer les femmes. Mais. Il faut pas s'amuser qu'avec les femmes. Voilà. Donc, bon, c'est vrai qu'il avait quand même des bonnes intentions en affaires. C'était un homme qui était bien, qui a été reconnu, très bon artiste. Ça, je ne peux pas le nier, puisque j'ai même travaillé dessus. Mais c'était seulement. Souvent, à l'époque, les artistes, ils prenaient les femmes et dès qu'elles. Étaient plus jolies, les jeter pour prendre une autre femme. Voilà pourquoi j'ai fait quitter la relation. Je n'arrive pas à défaire ma boîte. J'arrive pas. Donc voilà, c'était pour être honnête avec l'histoire de l'époque. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, ben, ils avaient des fois plusieurs muses, entre guillemets. Et c'était pas bien. Voilà. Donc,
Eh bien, on a fait Picasso à une nouvelle manière. J'espère que vous aurez bien entendu. J'ai bien aimé, en tout cas, faire comme ça pour changer un peu. Ce que j'aime bien. Ça change un peu et ça raconte quand même une belle guidance parce qu'en vérité, si vous mettez à la place de Pablo Picasso, ça arrive à tout le monde. C'est bien beau de dire non au mariage parce qu'on a envie de penser au travail. Penser aux gens qui... au ragot, à... Oui, tu comprends, il ne faut pas se marier de suite, il faut penser à ci, il faut penser à ça. Et au final, qu'est-ce qu'on a gagné? Eh bien, la personne, eh ben, si vous ne lui apportez pas ce qu'elle veut, si vous ne lui montrez pas que vous l'aimez, ben, elle part. Voilà tout ce que voulait dire la guidance. Voilà, donc j'espère que vous allez vous retrouver dans ça et que ça va bien vous plaire. Sur ce, mes boubous d'amour, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, mes boubous d'amour. À bientôt.